Moi, je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui, surtout, n'est pas fiable. Voilà, c'est zéro fiabilité, ce mec. Non, mais c'est génial d'entendre quelqu'un qui passe son temps à cracher sur tout le monde tous les soirs reprocher ça à d'autres gens. Parce que lui, il met quatre personnes autour d'une table, il leur dit ce qu'il faut dire et il croit qu'il fait de la télé. Il fait rien du tout. Quand il dit que je suis aigri, parce que il dit que vous êtes aigri et que vous voulez du pognon. Du pognon, j'en ai. Des émissions, j'en fais. La preuve, il y en a encore une ce soir. J'ai vendu Hôtel du Temps dans le monde entier à travers Warner Bros. Nominé aux Emmy Awards. Et à la rentrée de janvier, je produis Hugo Clément dans une nouvelle émission de société sur France 2. Donc je suis tout sauf au chômage, il est même pas informé. Un garçon qui était gentil au départ, hein. Quand il était sur France 4, tout ça, il était sympa. Et puis là, il est imbu de lui-même, parce qu'il a la confiance et le soutien de Vincent Bolloré, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Et il se sent plus, quoi, c'est l'hubris. Il a tous ses esclaves autour de lui, il leur dit ce qu'il faut dire. Et dès qu'il fait une blague, ils sont tous obligés de rire. Enfin,